Bonjour à tous et bienvenue dans le temps d'un kit. Alors aujourd'hui, je vous propose le numéro 19 de la collection Warhammer Mortal Realms de chez Hachette. Allez, on regarde ça tout de suite. Et avant de commencer, on pense à s'abonner, à liker et à partager et à commenter. Merci beaucoup. Alors, présentation de ce numéro 19. Trois nouveaux héros en tenue. Peindre les figurines en tenue. Et les aptitudes de commandement. Alors, Anthony, chevalier des Suaires. Anthony, gardien des âmes. Avec toujours des superbes illustrations. Esprit tourmenteur. Alors, notre guide d'assemblage. Et notre guide de peinture. Et donc, le résultat final à l'issue de ce numéro 19. On peut continuer certaines figurines avec les nouvelles couleurs qu'on a eues lors du précédent numéro. Et donc voici les autres figurines à l'issue de ce numéro. On peut voir les éléments de décor ici. Terreur et tourment. Les règles du jeu. Donc ça, c'est donc le nouveau tapis de jeu qu'on a eu dans le précédent numéro. Et certainement des futurs éléments de décor qu'on aura dans les prochains numéros. Et pour finir, que nous aurons au prochain numéro, donc le 20 et le 21. Je vous mets un petit peu plus près. Donc le 20, j'espère vraiment pouvoir l'avoir. Il fait vraiment envie, hein. Le personnage ici est vraiment magnifique. Et dans le 21, du coup, des renforts en tenue, donc ça ressemble quand même au numéro qu'on a eu avant. Mais c'est pareil, si je peux l'avoir, je vous le présenterai sur la chaîne. Et c'est tout pour ce numéro. Allez, on passe au montage. Donc avant de commencer, je vais vous montrer la grappe. Donc, toujours aussi bien détaillée que d'habitude. Je vous montre l'autre côté. Regardez-moi ça. Vraiment hâte de monter ces figurines et de vous les montrer. Donc, voilà pour la grappe. Et donc, nous est fourni avec les socles, donc texturés. Donc, on en a trois. Donc, un petit. Un comme ceci, moyen, et donc l'ovale.
Et donc voici notre premier personnage de montée, vraiment stylé, hein. Franchement impeccable. Allez, on passe à la suite. Donc voici la deuxième figurine. Franchement, c'est trop stylé. J'adore. Trop détaillé, trop bien. Avec le petit crâne à la fin, la posée, là, c'est trop super, quoi. Donc ça, c'était la numéro 2. Allez, on passe à la suite. Et donc voici la dernière figurine et non des moindres. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Et voilà les amis qui conclut la présentation de ce numéro 19 de cette collection Warhammer Mortal Realms de chez Hachette. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut !